Salut à tous, c'est Marius. Aujourd'hui, nous allons découvrir un smartphone qui pourrait redéfinir l'entrée de gamme pour les passionnés de gaming mobile, l'Infinix Hot 50 Pro Plus. Vous allez être surpris car pour seulement 110 000 francs, Infinix propose ici un téléphone au design ultra fin de 6,8 mm et d'un poids plume de 162 grammes. Il est idéal pour ceux qui recherchent à la fois l'élégance, la légèreté et la performance. Dans cette vidéo, on va plonger ensemble dans les caractéristiques phares de ce modèle impressionnant qui promet d'élever votre expérience mobile à ce segment de prix comme jamais auparavant. Alors sans plus tarder, commençons par le classique, le déballage. Dès l'ouverture de la boîte, vous tombez d'abord sur le téléphone lui-même, soigneusement emballé pour éviter les rayures lors du transport. En dessous du téléphone, on trouve une petite poche contenant un éjecteur de 4 SIM. Ensuite, on a un petit document qui est un petit guide d'utilisation qui vous montre comment installer l'anti-choc en verre trempé inclus dans la boîte. Infinix pense ainsi à la protection de votre téléphone car en plus d'avoir un écran en Gorilla Glass, le téléphone inclut donc un anti-choc en verre trempé ainsi qu'une coque de protection transparente. Ce genre de détail est très appréciable car dès que vous sortez le téléphone de la boîte, vous pouvez le protéger des rayures et des chutes sans devoir acheter une coque séparément. Ensuite, on a un câble USB-A vers USB-C. Solide, pratique et compatible avec de nombreux chargeurs et appareils. On a des écouteurs à bout USB-C, ce qui veut dire que ce téléphone n'a pas de prise jack. Et pour finir, on trouve un chargeur rapide de 33 watts qui permet une recharge express, idéal pour ceux qui se déplacent souvent et ceux qui utilisent intensivement leur téléphone. Voici l'Infinix Hot 50 Pro Plus dans sa finition noire scintillante. Cette finition évoque un ciel étoilé sous une nuit calme avec des reflets subtils qui captent la lumière et ajoutent une touche unique. Cette texture sable est non seulement élégante mais aussi pratique car elle réduit les traces de doigts, ce qui garde le téléphone propre et impeccable. Tout au dos, on a un module de caméra assez distinctif avec chaque capteur aligné à la verticale l'un au-dessus de l'autre et une finition unique sur le contour rectangulaire qui les entoure. C'est un design assez distinctif qui attire vraiment le regard. L'écran est un véritable atout visuel. Infinix a opté pour un écran incurvé en 3D, ce qui lui donne une impression de profondeur et d'immersion dès le premier regard. Ce type d'écran ajoute du caractère au téléphone et offre une prise en main confortable. La première fois que vous allez tenir ce téléphone, ce qui saute vraiment aux yeux, c'est la légèreté et la finesse de ce téléphone. Franchement, c'est vraiment impressionnant ce qu'Infinix a accompli ici. Avec une épaisseur de seulement 6,8 pouces, le Hot 50 Pro Plus se classe parmi les smartphones les plus fins du marché. Pour vous donner une idée de cette finesse, comparons-le rapidement avec un stylo Bic standard. Comme vous pouvez le voir, il est vraiment mince. D'ailleurs, il est même plus mince que mon iPhone 12 que j'utilise en ce moment et que je trouve déjà très fin. Je suis bluffé par l'épaisseur de ce téléphone. C'est la première fois que j'utilise un appareil aussi fin. En plus de sa finesse, son poids plume de 172 grammes le rend incroyablement léger en main, idéal pour une utilisation prolongée. Ce poids est parfait pour les longues sessions de jeu et de navigation sur les réseaux sociaux. Malgré son prix abordable, ce téléphone bénéficie d'une construction solide grâce à l'utilisation de verre Corning Gorilla Glass. J'ai vu plusieurs créateurs de contenu le jeter délibérément pour prouver sa solidité, ce que je ne ferai pas moi-même, mais le téléphone semble avoir résisté à ses maltraitances. Avec sa certification IP54, il est protégé contre la poussière et les éclaboussures, ce qui le rend parfait pour un usage quotidien et dans plein d'autres scénarios, dans le cas où la pluie vous trouve par exemple. En ce qui concerne les I/O, sur le côté droit, il n'y a aucun port. À gauche, on trouve le bouton d'alimentation et les boutons de contrôle de volume. En bas, Infinix a pensé à tout. Un port USB-C pour la charge rapide, un haut-parleur qui, avec le haut-parleur secondaire situé en haut du téléphone, offre un système stéréo. Vous trouverez également un slot double 4 SIM avec un emplacement pour 4 micro SD. Attention, le trou pour éjecter le slot SIM se trouve juste à côté de ce dernier. Ne le confondez pas avec le trou près du port USB au risque d'endommager des composants essentiels. Maintenant, intéressons-nous de près à l'écran. L'Infinix Hot 50 Pro Plus est doté d'un écran AMOLED incurvé de 6,78 pouces, offrant une résolution Full HD Plus et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec une luminosité pouvant atteindre 1300 nits, il reste facilement lisible en plein soleil. Pour sa gamme de prix, cet écran est vraiment exceptionnel. Il offre des noirs profonds avec des couleurs éclatantes, ce qui améliore l'expérience visuelle pour les films et les yeux. Ce genre d'écran est rare à ce niveau de prix, surtout comparé à d'autres téléphones qui se limitent souvent à des écrans IPS LCD. Infinix a fait un choix audacieux avec cet écran AMOLED et le rendu est franchement bluffant.
Il offre des couleurs vives et des contrastes profonds, que ce soit pour regarder des vidéos ou jouer à des jeux. L'aspect incurvé de l'écran ajoute une véritable touche de premium et d'immersion. Grâce à ce design, les bordures sont pratiquement invisibles, offrant un champ de vision élargi et une immersion profonde que vous regardiez une vidéo ou jouiez à un jeu. En parallèle, l'écran est équipé de la technologie Wet Touch, ce qui permet de l'utiliser même lorsqu'il est mouillé ou que vos mains sont un peu grasses. Cela peut être vraiment pratique dans les situations du quotidien, comme après une séance de sport ou un lavage de mains rapide. L'audio est tout aussi impressionnant grâce au haut-parleur stéréo certifié JBL. Il produit des sons clairs et puissants. Que vous écoutiez de la musique, regardiez des vidéos ou jouiez, le son est immersif. Voici pour vous un aperçu de comment sonne ce téléphone. Passons maintenant aux caméras. Le O50 Pro Plus est équipé d'un capteur principal de 50 mégapixels accompagné d'un capteur de profondeur de 2 mégapixels pour améliorer les portraits et même si on remarque un troisième capteur, il n'a pas été spécifié donc il s'agirait probablement d'un capteur IA ou d'un capteur pour améliorer les vidéos en faible luminosité. Les photos capturées avec l'Infinix O50 Pro Plus sont nettes et lumineuses en plein jour avec un excellent niveau de détail et de clarté. Même en basse lumière, ce téléphone fait un travail remarquable en produisant des images qui restent équilibrées et sans trop de bruit. Au niveau de la caméra selfie, on a affaire à 13 mégapixels et elle capture des images précises et bien exposées avec des tons de peau naturels. Pour les vidéos, le O50 Pro Plus peut enregistrer en 2K à 30 fps et en Full HD à 60 fps avec une certaine stabilisation efficace. Lors de mon test complet, je présenterai en détail chaque capteur de l'Infinix O50 Pro Plus pour explorer pleinement leurs performances et les options qu'ils offrent en photographie et en vidéo. En ce qui concerne la performance, sous le capot, l'Infinix O50 Pro Plus est équipé du tout nouveau processeur MediaTek Helio G100 couplé au GPU Mali G57, le tout soutenu par 8Go de RAM et un stockage de 128 ou 256Go. Ce combo garantit des performances fluides pour la plupart des jeux mobiles actuels, permettant une expérience agréable sans ralentissement. Que vous jouiez à Call of Duty Mobile, PUBG Mobile ou Brawl Stars, les graphiques sont fluides et les actions sont dynamiques sans aucun lag, même dans les sessions de jeux prolongées. Pour les jeux gourmands en ressources comme Genshin Impact, Zenless Zone Zero ou Call of Duty Warzone Mobile, il est recommandé de baisser légèrement les paramètres graphiques afin d'obtenir une meilleure stabilité et éviter les chutes de framerate. Cela permet d'assurer une jouabilité optimale, même si le rendu visuel est réduit. Lors de mon test complet, je reviendrai plus en détail sur les performances dans les différents jeux et sur la gestion thermique de l'appareil pendant les longues sessions de gaming. L'Infinix O50 Pro Plus tourne sous iOS 14.5 basé sous Android 14. L'interface d'immersion d'Infinix offre une interface fluide, simple et épurée. Bien que le système inclut quelques applications préinstallées, celles-ci peuvent être facilement désinstallées pour plus d'espace et une interface plus personnalisée. En plus de la simplicité d'iOS 14, le O50 Pro Plus intègre plusieurs fonctionnalités d'IA avancées qui enrichissent l'expérience utilisateur comme le découpage IA et le générateur de fond d'écran IA. Nous explorerons tous ces outils en détail lors de mon test complet. Assurez-vous d'être abonné et d'activer la cloche de notification pour ne pas le rater. Malgré sa finesse, l'Infinix O50 Pro Plus intègre une batterie puissante de 5000 mAh qui nous accompagne sans effort tout au long de la journée. Avec une optimisation avancée, profitez de longues heures de jeu, de streaming et de multitâche sans craindre de manquer de batterie. Grâce à sa charge rapide de 33 watts, il ne lui faut que 1h17 pour passer de 0 à 100%, un vrai gain de temps au quotidien. Pour les situations où vous êtes pressé, une recharge rapide de 13 minutes vous donne 42% de batterie, parfait pour sortir sereinement lorsque vous devez vous déplacer d'urgence. Le téléphone se distingue aussi par la durabilité impressionnante de sa batterie, avec une longévité de 4 ans et plus de 1600 cycles de charge, soit deux fois la norme de 800 cycles, de quoi assurer une bonne longévité au téléphone. Plus besoin de craindre que la batterie faiblisse trop vite avec le temps. L'Infinix O50 Pro Plus sera disponible ici en Côte d'Ivoire le 20 novembre et s'annonce comme un véritable coup de cœur en matière de rapport qualité-prix. Ce téléphone offre des performances non négligeables et des fonctionnalités impressionnantes à un prix incroyablement abordable. Vous pourrez choisir entre deux configurations selon vos besoins. La version avec 128Go de stockage plus 8Go de RAM est à seulement 110 000 francs CFA et la version boostée avec 256Go de stockage et toujours 8Go de RAM arrive à 124 800 francs CFA.
pour un téléphone offrant un écran AMOLED, une batterie durable et des performances adaptées au gaming, ses prix sont vraiment incroyables. Infinix a réussi à combiner style, puissance et accessibilité, faisant de ce Hot 50 Pro Plus un choix incontournable pour ceux qui recherchent de la qualité sans se ruiner. Ainsi s'achève cette introduction à l'Infinix Hot 50 Pro Plus. Le test complet est en préparation, alors restez connectés pour découvrir mon avis final. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'Infinix Hot 50 Pro Plus pourrait être votre prochain téléphone? Laissez-moi votre avis dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a aidé ou intéressé, pensez à laisser un like. Si vous découvrez ma chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochains contenus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.